Nice, leader du championnat de France, reçoit Sedan, l'un de ses plus dangereux rivaux. L'arrière Sedan et Fulgenci centre sur Brény, qui dribble Nani, tire et marque. Sedan 1, Nice 0. Les Niçois sont consternés et Sedan ravi. Mais un centre de l'hiver est stoppé par Fontaine. Nice devient alors irrésistible. Fontaine, Nuremberg, Bravo même, Abderrazak jongle et Ujlaki marque. Les Niçois gagnent par 3 buts à 1 et volent vers le titre de champion de France. Influence considérable à Nice pour le match Nice Olympique de Marseille. Les Marseillais, très applaudis, pénètrent les premiers sur le terrain et viennent prendre place dans le rond central. Les Niçois, follement acclamés eux aussi, viennent se ranger sur la même ligne. Scotty joue très profondément en avant en direction de Kuril. Kuril a la balle, va la donner à Rustichelli en position d'avant-centre, lequel tire au but. Colonna va stopper l'action. Et voici le but des Niçois, but marqué par Fèvre à bout portant. Le gardien marseillais ne peut absolument rien, 1-1 à la mi-temps. Le stade du Ray contient environ 27 à 28 000 personnes et la contenance normale est de 27 432. Tout cela pour assister au quart de finale du match de Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'OGC Nice. Très belle ouverture vers de Martinez vers l'avant-centre niçois. Foy qui est un puncher qui shoot. Oh, de très peu à côté. Très belle ouverture donc de Martinez et très belle action de Foy également qui est un puncher un peu à la manière de Fontaine, on doit dire. Le maire est fier, les joueurs aussi. L'OGC Nice n'avait plus fait la hola pour la coupe depuis 54. C'est vrai qu'il a tout dit, les aiglons volent dans la baie des Anges malgré la descente en deuxième division. Ils ont ramené une coupe convoitée depuis 43 ans.